Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Alors je sais pas si vous avez vu, mais sur les chaînes surtout des anglaises, il y a pas mal de vidéos qui circulent où ce sont des vidéos ma soeur a fait mon shopping, mon copain a fait mon shopping, et d'autres vidéos où c'est le challenge Primark qui consiste à aller chez Primark chercher une tenue pour l'autre dans un certain budget. Et je trouvais les deux idées un peu sympas, donc j'avais envie de mixer les deux et de faire un petit challenge avec Mary. Donc pour celles qui ne la connaissent pas, c'est Glamour Fashionista. Je vous mettrai de toute façon toutes ces infos en barre d'infos, donc juste ici en dessous. Donc on a fait un petit challenge assez sympa qui consiste à faire le shopping de l'autre chez Primark, parce que voilà, c'est plus facile, comme ça on était sûr de ne pas exploser les budgets. Et comme on n'habite pas hyper près du Primark, on a décidé de choper pour 3 tenues différentes. Donc Mary m'a choisi 3 tenues et moi je lui ai choisi 3 tenues. Ensuite on les a essayées bien sûr pour être sûre de ne pas acheter quelque chose qui n'allait pas forcément. Et on a choisi chacune la tenue qu'on préférait. Donc voilà en gros le principe. Donc là je vais vous laisser tout de suite avec quelques images de Mary en train de faire le shopping pour ma tenue. On a notre tenue. On a notre tenue, c'est ok. Et c'est parti dans les accessoires. Voilà, accessoires, chaussures. On est bon. Pour le moment, on est dans le budget, mais c'est les accessoires. Je pense pas des chaussures qui vont faire décoller le tout. On verra. On va pas voir les chaussures avant. Ouais, on va aller voir les chaussures d'abord. Vous venez de voir le shopping que Mary a fait pour moi. Donc, si vous voulez voir les 3 tenues qu'elle a choisi pour moi porter, donc que j'essaye, ce sera sur sa vidéo. Donc, le lien de sa vidéo est bien sûr en bas en info. Donc, je vous invite à aller la voir et bien sûr, abonnez-vous. C'est ma copine. Et maintenant, on passe aux essayages de Mary. Donc, je vais vous montrer les 3 tenues que j'ai pris pour elle. Donc, Mary en train d'essayer les 3 tenues que j'ai choisies. Donc, c'est maintenant. C'est parti, je vais essayer les 3. Et voilà, vous venez de voir les 3 tenues que j'ai choisies pour Mary. J'avoue, c'est toutes les 3 un style un petit peu différent, mais je les trouve vraiment toutes les 3 hyper belles. Et elle aussi, d'ailleurs, elle a eu du mal de choisir. Ça m'intéresserait de savoir, vous, quelle est la tenue que vous préférez. Donc, dites-moi en commentaire la tenue que j'ai choisie pour Mary que vous préférez. Je sais vraiment pas vous dire. Peut-être la dernière avec la robe. Quoique, avec la jupe, elle était cool aussi. Enfin, je sais pas, je les aime toutes. Bref, dites-moi vous ce que vous en pensez. Et je vais tout de suite vous montrer donc des 3 tenues que Mary m'avait proposé, la tenue que j'ai choisie. Et comme je vous ai déjà dit, si vous voulez voir les autres tenues qu'elle m'avait proposées, ce sera sur sa chaîne. Voilà, donc j'ai été chercher la tenue que Mary m'a choisie. Alors, je vous avoue que j'aimais aussi les 3 tenues. Vous verrez, vous me direz ce que vous en pensez aussi des 3 tenues que vous avez été voir sur la chaîne de Mary. Mais je sais pas pourquoi, j'avais un petit penchant pour celle-ci. Je pense que j'aimais beaucoup la chemise en fait. Par contre, elle était un petit peu trop petite, je devais prendre la taille du dessus et puis on a complètement oublié. Mais bon, je sais quand même la mettre. Et donc, c'est une chemise bordeaux, voilà, comme ça. Et je sais pas, il y a un petit pan, comme ça, ici, ça fait un petit peu imperméable. Enfin, elle est vraiment super jolie. Et la chemise coûtait 16 euros. De toute façon, je vous montre ce que ça donne porter tout de suite. Alors ensuite, pour aller avec la chemise, elle m'a choisi un petit pantalon en simili cuir qui lui coûtait 17 euros. Donc là avec les deux articles on en est déjà à 33 euros. Et enfin pour les chaussures, elle m'avait choisi à la base des derbies vernis que j'aimais beaucoup, mais j'en ai déjà, donc on se dit que ce serait peut-être bien de choisir un autre style de chaussures. Donc finalement elle m'a choisi celle-ci. Je sais pas si vous verrez à la caméra, mais en fait c'est des petites bottines. Elles sont en velours et il y avait toutes les couleurs, franchement, elles sont canon. Il y en avait des roses, je pense qu'il y en avait des grises, des bleus. J'avais envie de toutes les prendre. Mais bon, Mary m'a pris celles-ci. Elles sont déjà très belles et puis je me dis,
Les noires, c'est celles qui sont les plus faciles à porter. Donc voilà, et les bottines coûtaient 17 euros. Donc on est tout juste dans les 50 euros. Donc malheureusement, Mary n'a pas su me prendre de sac ou d'accessoires. Donc je suis plutôt contente dans sa tenue. J'ai réussi à lui prendre un sac et un collier. Oui, donc voilà, vous verrez ça sur sa chaîne. Voilà, donc je vais mettre ça tout de suite, comme ça vous voyez ce que ça donne. Et voilà, donc la tenue portée. Donc comme je disais, ce chemisier avec les petits pans ici que je trouve vraiment hyper joli. Je vous disais qu'il était un peu petit, en fait je sais pas, enfin quand je ferme le bouton ici, je suis un peu serrée, mais voilà, c'est rien de choquant, mais je préfère le laisser ouvert, comme ça je suis plus à l'aise. Mais donc voilà la chemise, franchement je l'aime beaucoup, et en plus cette couleur c'est une de mes couleurs préférées pour l'automne, j'adore le bordeaux. Donc voilà, en bas c'est ce pantalon en simili cuir, et puis donc les petites bottines en velours. Et j'hésite vraiment à le rechercher en d'autres couleurs. Mais voilà la tenue. Donc voilà, vous venez de voir la tenue que Mary a choisie pour moi. Donc cette petite chemise avec le pantalon et les bottines. Franchement, je suis ravie. Toutes les tenues d'ailleurs qu'elle m'a choisies, je les aimais beaucoup. Mais il y en avait une où le pantalon taillait vraiment bizarre. Enfin, c'est moi aussi, j'ai un corps un petit peu bizarre. Mais bref, c'est dommage parce qu'elle était hyper jolie aussi avec une petite chemise. Enfin, je vous laisse aller voir ça sur sa chaîne. Mais voilà, du coup j'ai choisi celle-ci, je suis pas déçue, je l'aime vraiment beaucoup. Et puis ben, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette tenue. Je sais pas si vous avez vu, mais entre temps Lisbonne s'est incrustée. Lisbonne, tu dis bonjour? Tu dis bonjour? Et voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre, par exemple mon copain fait mon shopping ou un autre challenge Primark, dites-le moi en commentaire, comme ça je sais que je peux vous faire ça. Et puis n'hésitez pas à me laisser plein de commentaires sur la tenue que vous avez préférée, donc que j'ai choisie pour Mary, et comment vous trouvez cette tenue. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.